Cette visite guidée du ministre de la Santé au Centre national de transfusion sanguine de Libreville a permis aux membres du gouvernement de s'enquérir des dispositifs ici implantés. Au terme de son périple, Max Limoku ne cache pas sa joie. Le CNTS gabonais, désormais arrimé aux standards internationaux grâce au management de son premier responsable. Donc j'ai fait le tour de la structure. C'est une structure qui est en pleine mutation, qui est bien organisée et bien équipée. Nous avons vu ensemble des automates qui fonctionnent à merveille et une organisation qui est parfaite. Et je souhaiterais que la même organisation soit faite au niveau des banques de sang de l'intérieur du pays. Pour un régime à plein temps et son dysfonctionnement, le directeur général du CNTS a exhorté les uns et les autres à s'approprier la notion du don de sang, encore perçu comme un tabou dans nos sociétés. Et le don de sang, pour moi, je le compare toujours à la pièce de 100 francs que vous pourrez donner à n'importe qui se trouve dans la rue et qui est dans le besoin. Quand on donne, on aide quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, on ne s'attend pas à obtenir quelque chose en retour. C'est un peu la leçon du don de sang, c'est-à-dire qu'on vient, on donne son sang, on ne sait pas forcément qui sera transfusé derrière, parfois c'est même son pire ennemi, mais quand on le donne, c'est parce qu'on est à la base très humain et on ne calcule pas, on n'attend rien en retour. Quand on donne 100 francs à quelqu'un, c'est la même chose. Quand on donne son sang à quelqu'un, on peut sauver même 3 vies parce que nous séparons ces poches de sang en 3 produits différents. Et donc, pour tout le monde, tous ceux qui sont humanistes, tous ceux qui sont croyants, je pense qu'il faudrait que ça soit une habitude qui soit inscrite dans les habitudes de tout le monde, même une fois par an. Selon des statistiques officielles, en 2019, le Centre national de transfusion sanguine a réalisé 9428 prélèvements auprès des donneurs volontaires, soit 30% du sang collecté par cette Banque nationale du sang. 70% du sang collecté la même année provient des donneurs familiaux.